De retour. Juste besoin de mon retour. On va regarder la vidéo, ça y est, je l'ai trouvé. La vidéo. Awesome! Ça y est, le son dans mes oreilles. Bienvenue, merci d'être toujours présent sur ce stream. On va couper Walking with the Dead. Je vais essayer de basculer l'interface. Alors, il y a toujours un petit souci quand j'essaie de capturer une fenêtre en particulier. YouTube, où es-tu? Je vais vous montrer ça. Ouais. Manifestez-vous, les gars! Je sais que c'est lundi matin, mais quand même, la vidéo, vraiment, qu'on va voir. Et je la posterai plus tard sur mon YouTube, le lien est là. Mais la vidéo qu'on va voir est absolument épique. Je m'excuse par avance auprès de Zik de te prendre cette vidéo. Encore une fois, donc c'est une vidéo qui a été faite pour Zik, cousin de Barbe. je vais juste... hop, on va basculer sur ceci, logiquement. Non, c'est pas ça que je veux voir. C'est pas ça qui est censé s'afficher. Alors, logiquement, on doit voir apparaître la fenêtre YouTube. Non, toujours pas. À chaque fois, putain, c'est la croix et la bannière. Voilà, on y est. Ça va bien se passer. On regarde la vidéo, donc. Je vous assure, c'est énorme. C'est énorme. Against the grain. Popular usage is to blame. It's gone unchallenged for way too long. C'est sorti du Pharrell Williams. So Ezekiel asked me to write a song, and here it is. Doesn't mean what you think it means. It's no excuse to be a dick. Use Kappa. Insulting people makes you look like a prick. Don't use Kappa. It ain't funny and it sure ain't sarcasm. Don't use Kappa. If you use it correctly, it might just crack as a first thing you said when you spoke in chat. Pro tip, see the spike? Yeah, don't touch that. Then you put a capper on the end. Dumb shit like that drives me round the bend. And here's why. Don't use capper. Give you a free pass to behave like a smart ass. Don't use capper. Make you look good cause your comments are still crass. Don't use capper. Doesn't negate dumb shit like lol, you suck, you're gay. Keep it up and you'll be banned until the end of days. Jesus Christ, well again, Harry. Jesus Christ, blood pressure rising. Jesus Christ, will you cut that shit out? Can you please use another remote? Jesus Christ, now I'm getting angry. Gonna stop banning people. Jesus Christ, why won't they stop it? Fucking hell, I said. Say something actually smart. Don't rely on that crutch. That's just not sarcasm. You're using the N-word too much. You can't use it to hide behind ignorant and hateful shit. Think before you press enter and your comments transmit. The only good thing is Kappa Pride is now a global emote. But all the other versions can go and suck Julia's chode. If I see anybody say, try grey face, no space. I'm gonna track the fucker down and force feed them a can of mace. Jesus Christ, blood pressure rising. Fucking hell, I said. Doesn't mean what you think it means. It's no excuse to be a dick. Don't use Kappa. Insulting someone just makes you look like a prick.
Don't use kappa. Anything or funny, and it sure ain't sarcasm. Don't use kappa. If you use it correctly, though, I might just craygasm. Don't use kappa. Doesn't give you a free pass to behave like a smartass. Ever make you look good, cause your comments are still crass. Tellement vrai. Don't shit like, lol, you suck, you're gay. Keep it up and you'll be banned until the end of days. C'était, voilà, c'était l'hommage Kappa. Donc encore une fois, ça vient de la chaîne de Zik. Mon ami Zik, excellent stream d'ailleurs, je vous le conseille, Ezekiel 3. Donc voilà, ça vient de... ça m'a bien fait marrer quand j'ai vu ça hier soir. Donc grosso modo, voilà, c'est une petite chanson. C'était une petite parodie de la chanson Happy de Pharrell Williams pour signaler, et c'est vrai, que les gens utilisent à tort et à travers les mots Kappa. Voilà, il suffit pas de rajouter Kappa à la fin d'une phrase pour donner du sens à la phrase ou pour prouver que la phrase n'est pas un troll. Voilà, grosso modo, c'était simple, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait marrer autant qu'elle m'a fait marrer. Moi, elle m'a beaucoup fait marrer. On va attaquer. Il y a YouTube qui est toujours en action sur mon portable. On va revenir à Batman, là, d'ici 3 secondes. Le temps que je vire ceci. J'entends des voix. Je vois des gens morts. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Batman, où en étions-nous, mon ami Batou? Ah, ça a appuyé sur ma souris. C'était pas du tout ça que je voulais faire. On était donc à l'enquête. Ah, si je vais par là, ça peut être bon. Que ma Batmobile ne peut pas me rejoindre. Ah, ça tombe bien, elle est juste là derrière. On s'en remettra en bout tout à l'heure pour ceux qui ont loupé ce grand moment. Oh, ça faisait longtemps! Ah! Tu essaies de l'achever, n'importe quoi. Cible atteinte. Partout les coups. Oh, oh, oh. Unité de Bristol détruite. À partir du moment où t'as touché la tourelle, c'est du tout bon. On va poursuivre la mission principale. Je vais à la tour Wayne. Si vas-y. On parvient à décrypter les protocoles de sécurité du chevalier d'Arkham, vas-y, va à la tour. Localiser. S'il pense pouvoir vous... Avec la maniabilité qui va toujours bien. Oh non. Confirmé. C'est bon, lui je l'ai eu. Moins, chef. Il vous fait passer pour des crétins. Mais bon, c'est bon, je m'en fous. En fait, je suis vraiment obligé de tous les buter à chaque fois si je veux continuer à avancer, sinon j'ai plus le fléchage au sol. C'est d'un relou. Tiens ! Impact sur cible, confirmé. Tiens, toi je t'ai eu. Alors, il m'en reste deux a priori. Il met 25, mais ça doit pas être ça. Ah, c'est bon. Ah non, il y en a encore qui viennent. Putain, j'ai encore 23 à me faire, sans déconner. Tire direct sur le racleur. Le blindage résiste. T'es chaque fois obligé de te farcir une trentaine de chars avant de pouvoir continuer. Ça, vraiment, ça commence à me casser les couilles grave. C'est bon. Unité de drone de Kingston, HS. Ah non, en fait, ouais, c'est dans la région où j'en ai 21. Ok. Je peux continuer, là, c'est bon. Je vais à la tour Wayne. Oui, j'ai compris. Remets-moi le fléchage au sol, connard. Le chevalier d'Arkham. Merci. On va le localiser. S'il pense pouvoir vous échapper, monsieur, il risque une cruelle déconvenue. Je le tiens. La cible est sur Grand Avenue. Je suis pas obligé de me les farcir là. Tiens, dégage. Dégage. J'en ai rien à foutre de toi.
Ah non. Je vais sortir de la Batmobile, je peux plus rien faire là, je peux plus rien faire. C'est bon. Ils attaquent la Batmobile. Je dois retourner là-bas. Non, rien à foutre, je te le dis. Je dois retourner à la voiture. Elle est attaquée. Non, 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 non et non. Je continuerai ma mission. Fuck l'attaque mobile. L'attaque de la Batmobile. Il faut que je retourne à la Batmobile. Non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ils attaquent la Batmobile. Oui, mais je m'en fous. Je dois retourner là-bas. Si je l'appelle. Centrale, on a une émeute en cours près de... Je dois retourner à la voiture. Je vais t'attaquer. Putain, ça me casse les couilles. Ah ! Il faut que je retourne à la voiture. Elle est attaquée. Je m'en fous. C'est bon. Ah non, c'est game over ! Si ma Batmobile se fait pulvériser, c'est game over. Ouais, ah ouais, c'est game over. Je serais jamais arrivé. Putain. Oh, c'est phase. C'est phase de Batmobile. Ah, na, 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 na. Don't you skip out. Don't you skip out. Don't you skip out. Ça va bien se passer. C'est bon. On s'en fout de la Batmobile. Elle est plus attaquée, là. C'est gentil à vous de passer, monsieur Wayne. Vous n'aviez pas la tenue appropriée pour l'entrée principale. Vous avez terminé le décryptage ? Tout est décodé. J'ai chargé toutes les transcriptions radio récentes de la milice et leurs coordonnées correspondantes sur votre machine. Merci, Lucius. Je peux trouver l'empreinte vocale du chevalier d'Arkham et déterminer l'emplacement de sa dernière transmission en scannant le réseau. Si tu veux, fais-toi plaisir. Allez, utilise l'ordinateur. Identité confirmée. Bonsoir, monsieur Wayne. Putain, tu protèges même plus ton anonymat là. Tu mélanges les genres, t'es habillé en Batman et tu te connectes à un ordinateur en tant que Mr. Wayne. Analyse des communications pour correspondance vocale. Localisation confirmée. Je l'ai. Le chevalier émet depuis le réseau souterrain de Miyagami. Ravi de vous être utile, monsieur Wayne. T'as rien fait, tu m'as juste dit que mon ordinateur était là, je le voyais. Dites-moi sur quel aspect nous devons concentrer. Générateur virus. L'amélioration du générateur des armes permet de surcharger les armes secondaires de la Batmobile pour une puissance de feu considérable. C'est ça que je veux. Excellent choix. Je m'en fous du virus. Je vous prépare ça tout de suite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Je serai là toute la nuit. Ce n'est pas comme si je pouvais quitter la ville de toute façon. Ben non. Soyez prudent. La trace du chevalier d'Arkham m'a mené au réseau souterrain de Miyagami. Excellente nouvelle, monsieur. Mais je détecte un grand nombre. Dis-moi, Alfred, que je peux y aller à pied. J'en supplie, dis-moi que je peux y aller à pied. Entendu. Dois-je ouvrir l'entrée sud ? Attendez que je sois sur place, Alfred. Je ne veux pas gâcher la surprise. Alors, à tous les coups, il va falloir que je me farcisse la Batmobile encore. Quel dommage.
je suis sur place. Ah, c'est plus bas. Ah, c'est plus bas. On a un contact. Oh non! Ah putain! Elle a mis 3 plombs pour arriver, ma Batmobile! Mais tu fais pas long feu face à eux. Faut dire ce qui est. Je ne marche pas. Batou! Batou! Don't use kappa. Non, je vais me calmer. Ah, puis vas-y, je me retape tout depuis le début, sinon c'est pas marrant. La trace du chevalier d'Arkham m'a mené au réseau souterrain de Miyagami. Excellente nouvelle, monsieur. Mais je détecte un grand nombre de drones dans la zone. Ce serait de la pure folie de les attaquer sans la Batmobile. Entendu. Putain, il m'avait prévenu en plus. Attendez que je sois sur place, Alfred. Je ne veux pas gâcher la surprise. Il m'avait prévenu. J'ai sauté comme un con. C'est de ma faute. J'avoue, c'est de ma faute. Je plaide coupable. Partout ces enculés. Pour l'instant je m'en sors pas trop mal. Oh putain. Déjà je suis déjà critique. Mais il y en a partout! Pardon, excusez-moi. J'ai perdu un drone. Oup! Monsieur Propre va essayer quand même de s'en tirer là sur ce coup-là. Missile dans ta gueule. On a perdu l'unité du jardin botanique. Gash, les drones du chevalier d'Arkham ont été détruits. Vos hommes peuvent reprendre les patrouilles sur Miyagami Island. Entendu, Batman. Merci. Ah, en fait, c'est comme ça que tu nettoies la ville. C'est l'équivalent de du nettoyage dans Just Cause quand tu nettoies des bases. Tu récupères en fait des territoires qui ne seront plus occupés. C'est pareil un peu également dans Far Cry 4, même Far Cry 3 d'ailleurs. Alfred, il y a une autre porte blindée. J'ai besoin que vous l'ouvriez. Seigneur, je crains qu'il m'ait expulsé du système.
Ils savent que vous êtes là. Ne vous en faites pas, Alfred. Je trouverai un autre moyen. Sans la Batmobile, c'est bien aussi. Non. Jolis effets de lumière. Tu as avancé sur l'antidote. J'avance. Mais je n'ai pas de nouvelles. Ah, Robin. Est-ce qu'elle va bien ? Elle va bien. Elle travaille sur quelque chose pour moi. C'est vital. Mais elle est en sécurité. Ne t'inquiète pas, Tim. Concentre-toi sur l'antidote. Gel explosif, tu es là. Oh, bateau. Encore. Et je comprends pourquoi tu lui as rien dit après la réaction hystérique qu'a eu ce bon Dutch. Encore, mon ami le Joker. Oh, dans le genre relou, tu te tiens là, hein. La tyrolienne. Récapitulons. Barbara a été enlevée. Soyons réalistes. Elle est probablement morte. Fumant au petit prodige amoureux à son sujet. Ouais, et ce bon vieux Jim est parti en solitaire pour sauver la situation. Utiliser le patron télécommandé pour... C'est pas vraiment ton jour, bateau. J'ai horreur de ça. Quelque chose te préoccupe ? Ouais, ok. Donc, il faut que je change dans les commandes. Ouais. Inverser commande du Batrang. Non. Allez, laisse Robin sortir de sa cage. Tu ne peux pas le réduire en esclavage à cause de ton remue. C'est pas ça le boîtier. S'il se fait tuer là-dehors, tu n'auras pas à lui annoncer pour Barbara. C'est tout à l'heure. Il est où ce boîtier ? Tu crois vraiment qu'il va régler ton problème de sécurité ? Aucune chance. Je suis chronique aussi. Et je suis récurrent. On sait tous deux qu'il n'y a pas de remède. Il est là le boîtier, ok. Ok. Je te rappelle quand tout était simple, c'était le bon vieux. Oh ! Rien que toi, moi, t'es lui. Oh ! La cité contre le crime. Regarde autour de toi, bateau. Les choses changent. Maintenant, c'est la guerre tout court. Et toi, tu te trouves au bon milieu du conflit. Tiens, toi, dans ta gueule. Non, ça marche pas. Bien sûr, dans tout. C'est inévitable, comme la mort. Enfin. Ah non, il est même pas de ce côté-ci, il est de l'autre côté du mur, merde. Ah non, ok. Mais bon, tout le monde n'a pas cette chose. C'est bon. Comment tu peux oublier une fille comme ça ? Tyrolienne. Détruire tout
tes rêves de bonheur. Tu m'as tenu pour responsable, bien entendu, mais que d'or. C'est toi qui l'as placée dans ma ligne de mire, Pat. Elle n'a rien fait, tu crois en tout ça. C'est vrai, mais c'est... J'ai comme méchamment l'impression de tourner en... Les gens te font confiance. Ils croient en toi. Ils te suivent dans tes trois marées. Toi, tu es tous tués. Cet interrupteur, ok. Ah, salut Grazle, bienvenue sur le stream. Don't use capa. Don't use capa. Est-ce que tu as vu Grazle cette magnifique chanson? Est-ce que tu as vu cette magnifique vidéo? What? Bordel! Don't you skip a... L'impression de tourner en rond, c'est une catastrophe. Où dois-je aller, bordel ? Cet interrupteur-là, donc c'est fait, c'est déclenché. Je dois descendre, ça j'ai bien compris. Je vais pouvoir mettre un coup de gel explosif ici. Salut DJ! Non, ça sert à rien. Bienvenue sur le stream, mon ami DJ Sissou. Je suis un peu en galère là. Je trouve plus mon chemin. Je ne trouve plus mon putain de chemin. Là en face. Je sais pas, je vois 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 pas. Je dois aller. Ah si, ok, d'accord. Non, il y a le batrang là. Je vais encore devoir utiliser ce putain de batrang que je déteste. C'est bon! C'est ça, m'offre-toi! Yep là! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon!
Et... Non, c'est bon, c'est juste des bagnoles. Je devrais pouvoir les attaquer. De façon silencieuse, je sais pas. Je ne peux pas attirer l'attention de la milice avec tous ces tanks. Ils sont pas chargés. Ah si! Oh putain. Fais un coup de double tyrolienne. T'es sérieux? Don't you scapa? La double tyrolienne, c'est quoi cette merde? Je vous ai pas suivi du tout, les gars. Mais pas du tout. Avec votre double tyrolienne. Donc. Ça fait combien de temps que t'es là-dessous? Une semaine. Ça fait un mois que je suis là. Un mois. Dans ce tunnel immonde infesté de rats. J'ai connu pire comme endroit. Sérieux? Fais l'en faire deux, bah non, j'en ai fait qu'un. Et c'est cool. Ouais, et donc? Où est-ce qu'ils trouvent tous ces trucs? Une base militaire? Je dois trouver un moyen de faire passer la Batmobile avant de les attaquer. Oui, j'ai bien compris. Le matériel a été spécialement conçu pour abattre Batman. Pourquoi? C'est juste un homme. C'est le briefing, non? Non, j'ai dû le rater. Moi, je l'ai vu. Il est tout. Il est même prêt. Mais toute une armée, franchement, pour un seul gars. Don't you scapa? Oh! Oh! Enculé. 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 Allez, tout le monde en a marre de ce jeu, grâce. T'as vu ça? J'ai déjà, j'en suis à 30% de jeu. J'ai déjà l'impression que ça tire en longueur. Oh! Mauvaise touche. Oh! J'allais tuer. C'est juste des vieux pouilleux. Oh! Tu te calmes. Oh, tu te calmes aussi, toi! Aussi, il y a toujours moins de faire mal. Oh putain! Ouais, mais même quand on est fan, ça peut pas. Moi, c'est pareil, hein. Batman, c'est genre mon super-héros préféré, mais c'est pas parce que t'es fan que tu peux pas reconnaître. Ou trouver, parce que c'est pas reconnaître, hein. J'ai pas l'impression de détenir la vérité ou d'être objectif. Enfin, plus qu'un autre. Mais ouais, moi, je suis de l'avis de Sakavines aussi. Déjà au début du jeu, je trouve ça traîne, ça te sert en longueur à peine le jeu commençait. Et le côté, dès que t'es en Batmobile, il faut chaque fois buter des tanks pour faire de la place. Je trouve ça, voilà, je trouve ça juste pourri en fait.
ça juste pourri, vraiment. Mais c'est dommage. Oh, ninja. Baiser. Oh. Oh putain, il en vient des tonnes et des tonnes. Désolé. 20 fois, c'est rassurant. Non mais moi je suis l'équivalent du mode difficile aussi. Hein. Ah putain, il en vient sans arrêt. Oh, oh, oh non, dégage. Yes! Par contre, les exécutions environnementales, elles sont top. Elles sont vraiment top. Oh. J'ai oublié de contrer. Qui, toi, jeune chercheur? Ah, c'est exactement ça, grâce là. On a tous les deux sorti l'artillerie lourde. La seule différence, c'est que moi je n'ai pas peur d'utiliser de vraies munitions. C'est ça, non? Je veux débrancher mon cerveau en fait. Non, mais les autres Batman tels qu'ils étaient me convenaient parfaitement. Hein. Il y avait de l'infiltration aussi, pas trop. Je trouve qu'il y a le meilleur équilibre d'un Batman, pour moi, ça reste le Arkham Asylum. C'était très couloir, mais pas trop, parce que à un moment donné, quand tu étais dans la cour principale, je crois, tu pouvais choisir plus ou moins ton chemin. Il y a un côté Metroidvania. Pour moi, le Batman Arkham Asylum est parfait. Vraiment, il est parfait. C'est pas ça que je voulais. Ouais. Alors. Oh, oh, oh. Putain, c'est là qu'on va se marrer. Putain, qu'est-ce que je vise mal. Encore une fois, le système n'aide pas. On est touché. Il est toujours d'attaque. C'est bon. Ouais. Boum. Don't use kappa. Na 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 na. Don't use kappa. Oracle et de faire payer le chevalier d'Arkham. Ouais, l'heure est venue. Je vois que vous êtes de retour dans la voiture. Il n'y a, aucune rejouabilité là-dessus, à moins d'aimer les missions copier-coller. Ouvre la porte, Alfred. Alfred, ah non, c'est à moi de le faire. Don't use kappa. Ben, comme quoi, ça dépend ce qu'on attend. Moi, c'est mon préféré et d'assez loin. D'assez loin. Encore une fois, je le répète, viens ensuite. Arkham Origins, Arkham City et celui-ci en dernier. Monsieur, le radar thermique ne détecte pas encore celui du conducteur. Aucun signe de Mademoiselle Gordon. Il sait où elle est, Alfred. Il ne doit pas m'échapper. Non, c'est bon. Ah, je vais rester en mode combat, c'est plus prudent. Bon, encore que. C'est LE Batman. Bon, Grazle, malgré tout, j'espère que t'as bien dormi avec ton rhume. Zaster-ci, tu te lèves! Ça y est, là je la sens la canicule, là je la sens bien, je sens déjà la chaleur
inacceptable sur mon petit corps. Tu abuses, Simone. C'est bon. Il reste plus que vous. Vous devez me protéger. Tu parles. Sur la peau du con. Cette voiture va nous mettre en pièce. Il sera pas. Sors-le de la route. C'est dommage, s'il y avait une bonne maniabilité, franchement, ce serait cool. Oh. Dans ton cul. Ah, oh, putain de conduite. Putain de conduite. Je vais arriver à finir mes phrases aujourd'hui. Putain de merde, arrête de prendre les petites rues en angle à 90 degrés. Oh bordel, c'est inconduisible. Putain de merde! Non, c'est inconduisible. Alors, je suis peut-être mauvais en plus, mais la maniabilité est complètement douteuse. Oh, tu vas pas retourner dormir, j'ai besoin de mon râleur préféré. Oh putain, et en plus il faut de la face de plateforme. Bon, ça va être le game over là, de toute façon. Comment c'est parti? Oh sérieux, c'est phase en Batmobile! Bon, c'est bon, on va jouer comme ça pendant 3 ans là, ça devient juste super relou, c'est super casse-couille. Ah si, tu y arrives très bien, je te le garantis. Ça, j'ai réussi à maîtriser au clavier. Non, t'as pas besoin de moi pour aller. Ah, mais tu prêches un convaincu, hein. Clavier souris, c'est la supériorité, grâce. Là. Ah, tu prêches un convaincu. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est... Je reproche, d'ailleurs. J'ai l'impression que le jeu, finalement, malgré le portage PC dégueulasse, a été clairement conçu pour le clavier souris. En tout cas, c'est les phases embarquement vers.
Quelle purge. C'est tout sauf amusant. C'est pas trop tôt. Bah ouais, j'aimerais bien interroger le soldat à proximité. Ah bah quand même. Le conducteur n'est pas le chevalier d'Arkham, mais il saura où je peux le trouver. Dis-moi tout. Je vais profiter du dialogue pour aller vite fait me chercher un truc à boire, les loulous. AFK ! Quelques secondes. Avec Barbara Gordon, elle est à nous maintenant. Tu imagines ce que le chevalier va lui faire vivre ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Non, fais pas ça ! Merci, Grazle. Ah, moi je m'en fous, j'y vais. Laisse-moi parler ! Où est-il ? Vas-y, parle. Il est allé voir le petit gros, le pingouin. C'est lui qui fournit les planques pour l'attaque. Je me force pas non, parce que j'ai envie de... Voilà, c'est la fin de la trilogie. C'est tout ce que je sais. Et j'ai envie de conclure. Surtout maintenant, c'est con, je suis à 30%. En tout cas, Grazle, quand t'es malade, t'es adorable. Tu devrais être malade plus souvent. Tu te souviens d'autre chose ? Il utilise une société de réfrigération comme couverture. Les camions distribuent des armes dans toute la ville. Le nom de la société ? North Refrigeration. Merci. Non, je vais essayer de le finir. Encore une fois, voilà, si là je suis au maximum des scènes, ça devrait aller. Si après il y a encore plus de Batmobile et tout, ça va être relou. J'ai besoin de tout ce que vous pourrez trouver sur North Refrigeration. Très bien. Puis-je vous demander pourquoi ? C'est le pingouin qui fournit le chevalier d'Arkham. Et pour l'heure, il est ma meilleure piste pour trouver Barbara. Je regarde tout de suite, monsieur. Ah, je vois que monsieur Fox essaie de vous contacter. Monsieur, si tu veux, c'est pas comme si actuellement j'avais le choix entre jouer à Batman et Just Cause 3, auquel cas Batman serait déjà forcément passé à la trappe, mais là, ça va, c'est... On arrive sur une période creuse, donc je peux le finir gentiment. Monsieur, j'ai découvert que le chevalier d'Arkham utilisait un programme pour émettre à partir de votre gantelet. Rassurez-vous, toutes vos communications sont bien cryptées. Dois-je le bloquer pour éviter tout un... Beaucoup. Ah non. Gardez le canal. Non mais des courses-poursuites comme ça, clairement c'est le passage peut-être le plus dégueulasse depuis le début du jeu. Une quantité astronomique, je te crois pas. Laisse-moi deviner, des tanks vont arriver. Ouais, je te dis, dans l'immédiat, j'ai des jeux à faire encore. Parce que FF14, j'ai l'impression que tu te lances dedans, tu peux pas lâcher ne serait-ce que 15 jours. Sinon, tu sais, tu perds le skill, l'habitude. Oh! Cool. Unité multiple à l'attaque. Ah ! Tiens, j'en étais sûr. Drone touché. La cible a touché un drone. Blindage encore intact. Allez, c'est bon. Dégage. Je pouvais rien faire là. À part ça. Bon, écoute, merci d'être passé en tout cas, Grazle.
Je t'assure, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Je suis de bonne humeur, pardon. Impact sur cible confirmé. Frappez fort, sergent. Je regrette pour vous passer. Je pourrais charger mon arme secondaire. Il me semble que c'est ce qu'il m'a dit. Ah ! Ah ! Vous êtes lourd là. Eh merde, je t'avais évité. J'essaie de l'achever. Rattleur touché. Non, ces phases-là, sans déconner, elles sont pas. Elles sont pas passionnantes. Il a détruit l'unité de drone de Grand Avenue. Il est fort comme le Batman. J'ai pris plus de plaisir hier soir sur Halo 2. Comme vous l'avez demandé, on dirait que Maître Grayson enquête sur le sujet depuis un moment déjà. Bien. Dites-lui de m'envoyer ce qu'il a. Il insiste pour vous voir en personne, monsieur. Il est parti de Bloodhaven avec les informations requises. Il vous retrouvera sur le toit qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Merci, Alfred. Comme la station métro, tu veux dire ? Si l'on en croit les analyses, le chevalier d'Arkham a posté ses lieutenants dans les transports blindés répartis à travers la ville. Nous avons l'un de ces véhicules en ligne de mire. Si vous voulez intervenir pour l'éliminer de l'échiquier. Be my guest. Ouais, je vais reprendre ma mission normale. 33%. Voyons ce qu'un Nightwing sur North Refrigeration. Si je trouve le pingouin, je trouverai le chevalier d'Arkham. Tout à fait, monsieur. Maître Grayson vous attend en haut du bâtiment qui surplombe la gare maritime de Ranlag. C'est ce que tu viens de dire, Alfred, en effet. Marche arrière, il va nous avoir. Aucune chance. Trop loin là, Batman. Tu vas beaucoup trop loin. Alors, encore en train de rôder sur les toits ? Hey, Nightwing ! Pas ce soir. Tu plaisantes ou quoi ? Quand j'ai su pour Barbara. North Refrigeration. Dis-moi ce que tu sais. Le pingouin fait sortir des armes de Bloodhaven dans des camions frigo. Je pense qu'il stocke les armes ici, à Gotham, mais la question est où ? Cobblepot est notre meilleure piste pour Barbara. Il faut que je trouve cette planque d'armes. Barbara. Si je dois intercepter un camion, il me mènera droit à eux. Hein. Si seulement tu connaissais quelqu'un qui note le trajet. Je viendrai là sans avoir un plan. Je m'en occupe. Il faut que tu regardes Bloodhaven. Allez, Bruce, laisse-moi t'aider. Tu peux pas te faire tout seul. C'est trop dangereux. Je ne veux pas perdre qui que ce soit d'autre. Bloodhaven te réclame. D'accord. J'ai compris le message. Si tu veux garder un œil sur ce camion, utilise ça. Tu as sous les yeux un prototype dernier cri. Le vieux Fox s'est surpassé sur ce coup. Ouais ! À bientôt, Bruce. Ça, c'est de l'arme. Ah, putain, c'est juste un brouillard. Je pensais que c'était un fusil d'assaut. C'est vrai, j'oubliais que Batman n'utilisait pas d'armes. Je peux désactiver leurs armes grâce à la... Lâche du brouilleur. Je n'ai droit qu'à 3 tirs. Je dois bien choisir mes cibles. Merde, ces canons. Où est le piège ? Il n'y en a pas à tout être. L'arme est neutralisée. Si j'utilise à nouveau le brouilleur, elle explosera au tir suivant, assommant l'utilisateur et renversant tout le monde à proximité. Qui en fait la tronche de mon pote ? Est-ce que j'en fais toute une histoire ? Oh, fou.
on forme tous une grande et belle famille. Dis-moi, vu qu'on est potes maintenant. Quelle tristesse. C'est bon, j'ai un avec deux, là. À la petite semaine, qui se mettent à travailler ensemble. C'était pas comme ça, mon temps. On respectait... Faut que je gère ma gueule, là, je vois pas ce qui est écrit. Il avait l'air sympa, c'est vrai? Non, il est complètement dingue. Toujours à vouloir récupérer ce qui lui appartient ou tout rafler. Utiliser les munitions de sabotage du brouilleur pour désactiver les armes des ennemis, ça c'est fait. Comment ça lui est arrivé? Un type a fracassé une bouteille sur une table et lui a enfoncé le tesson dans la tronche. On m'a dit que je pouvais faire exploser les armes. J'étais au chargement tout à l'heure. Oh mon sang, j'ai jamais vu autant d'armes. C'est bon, là, y a plus d'ennemis. Ah si. Ceux qui essaieront de se ravitailler vont avoir un choc. Ça y est, j'ai saboté l'équipement. Je n'ai plus qu'à me présenter. Kikou ! Vas-y, ravitaillez-vous. Oh non ! Ah, c'est moche hein, ce qui vous arrive. Ça, j'adore. Le Batman gagne toujours. Frapper à la porte. Un camion rempli d'armes et d'explosifs. Je peux utiliser la fonction pistage du brouilleur pour marquer le véhicule et le suivre dans Gotham. Bien, je n'ai plus qu'à les motiver un peu pour qu'ils me mènent à leur repère. Coucou! Encore être une course-poursuite, j'en ai bien l'impression. J'ai très peur. Qu'est-ce que t'as oublié? Non, c'est Batman! Dégage vite de là! Le bruit de la subtilité marche à tous les coups. Oh, encore une course-poursuite! Sur les toits, le bruit de la voiture pourrait leur faire peur. Je dois les suivre. Le marquage du véhicule reste effectif. Et le bruit de la voiture pourrait leur faire peur. Je dois les suivre depuis les toits en restant hors de leur vue. Le prix de la voiture pour leur faire peur. Non mais ça va pas! Ça me mettra tout droit à Cobblepot! Alors je fais quoi? Contente-toi de rouler, on réussira peut-être à semer! Est-ce que tu le vois? Je conduis là! Ok, je le vois pas! Mais non! Il a bien dit sans vous faire repérer. Mais non, calme-toi, ça va bien se passer. Enfin une mission à pied.
Ah non, non, non. Gueule quand je vais débarquer. Ils m'ont mené tout droit au stock d'armes du parloir. Comment ça se fait qu'on soit coincé ici pendant que le boss fait ça? Le rideau métallique est verrouillé. Je dois trouver un autre moyen d'entrer. Contrairement à étonné. Le toit est lourdement gardé. Ce doit être le point faible. Non, 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 non. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui s'est fait au visage d'après toi? Qui? L'épouvantail? Mais bordel, tu m'écoutes quand je parle ou pas? Ah ouais. T'entends tout ça? Ça me met de la barre. Ah, vache. Vache. D'y aller cool. Ça y est, je me demandais ce qu'il attendait pour commencer. Il a eu trop peur. Oups. Ah, comme essayer d'y aller. Oh merde! Merde! J'avais complètement zappé ce truc. Il me reste plus qu'à le désactiver. Putain, j'essaie pas de fuir, j'essaie de te tabasser la gueule. Hop, ça c'est fait. Par contre, j'ai perdu pas mal de vie. Ah ! Je vais crever comme une merde. Ils sont où ? La zone est logiquement, c'est passé. Il est temps de faire un saut, j'ai quand même pas. Juste profiter. Qu'est-ce que je peux améliorer ? Atténuer le rebord, ça je m'en fous. Ah, pour améliorer encore ma tenue, il faut pas mal de... Voilà, je vais attendre d'avoir encore un point pour augmenter mon armure balistique. Encore lui! Tu me fais un peu honte là! Non! Si, peut-être. Si, c'était peut-être par là qu'il fallait que j'aille en fait. Ah, c'est bon, j'ai vu une trappe là. Vous l'avez bien vu. Il n'a même pas pu vous rattraper. Ça va être génial! Il ne sait même pas que tu es là. Vas-y! Comme vous le savez, les synthèses sont magnifiques. On s'est associé aux... Oups. Le chevalier d'Arkham, Barbara Gordon, dis-moi où ils sont. Alors c'est elle, la captive. La petite fille chérie du commissaire. Je vais briser tous les os de ton corps, Cobblepot. Vous allez voir un vieux gros ton, Simon Stein. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique ou un truc comme ça. Je te préviens,
ne me mens pas. Non, je te jure. On dit qu'il va quitter Gotham. Ses dirigeables au-dessus de la West River, ils sont à lui. Relâche-le. Ta gueule. Tirez, Batman. Ça ne servira à rien. L'épouvantail va te détruire. Tu es fini, Batman. Allez, une petite baston. À main nue. Mes préférés. What the... C'est comme ça que tu gères la situation ? T'en fais pas, c'est la... Ah, encore un combat à deux comme avec Catwoman. Ça, c'était cool. Ah, c'est tellement classe quand c'est comme ça. Heureusement qu'il y a ça dans le jeu. Oh ! En duo. Bon ! Classe, super classe. Ça, c'est une bonne idée, ça. Je préférais qu'il y ait plus souvent ça que la Batmobile, parce que ça, c'est cool. Non, bien classe. Franchement, bien classe. Rien à redire là-dessus. Ils ont bien joué leur truc. C'est très nerveux comme il faut. J'imagine qu'il y aura la même avec Robin. Tout le monde est mort. Aucune de ces armes ne doit arriver dans les rues. Cet entrepôt doit être détruit. Mmh. Je vais essayer de le détruire. Bruce, tu dois me laisser t'aider. J'avais les choses en main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi, Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être pour aider. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. Il doit avoir d'autres dépôts cachés dans la ville. Cherche les indices ici qui pourraient nous permettre de localiser d'autres camions réfrigérés du pingouin. Espèce de pinard. Le bon est venu de... Ta gueule. Non, mais franchement, je parle même pas du monocle. Il croit sûrement que ça lui donne l'air pour me la vendre. Il faut que je ferme la chambre forte pour contenir l'explosion. C'est mieux. Mais vas-y alors. Et... Non, non, reste dedans, reste dedans, reste dedans. Ce sera très bien. S'il te plaît, m'enferme pas là-dedans. Je presque vivre. Il s'en fout, il reviendra sans arrêt, il me hante. Il me hante, ce connard. Je voudrais pas être à la place de ce type. Je dois m'éloigner davantage avant de déclencher l'explosion. Oh, t'abuses là quand même. On est bien éloigné. Pas mal. Pas mal. Du coup, j'ai gagné un nouveau point, donc je vais pouvoir augmenter mon armure. Plonger vers le sol et déclencher l'attaque onde de choc pour produire une vague d'énergie cinétique qui envoie à terre les ennemis à proximité. Non. Améliore la protection de la tenue Batman contre les attaques au corps à corps. Les attaques au corps à corps, ça se passe bien. Je vais augmenter, c'est plutôt contre les balles. Voilà. Hey, Nightwing! Je vais chercher Barbara. Je te contacterai dès que j'aurai repéré un des camions du pingouin. Merci, Nick. J'apprécie ton aide. C'est ça, les amis, Bruce. Quelle manche-boule! Alfred, trouvez tout ce que vous pouvez sur Simon Stagg. Le mania de l'industrie pharmaceutique? Bien, monsieur. Je me casse. Alors, voyons un peu comment ça se présente. Dites-vous, c'est une bonne vieille embuscade. Ouais. Laisse donc ton cher oncle Joe se charger de ses indices. C'est parti! Tirez! Par volonté, allez!
Mais encore. C'est tout? Ah, je peux même pas appeler la Batmobile. Si je descends, je vais me faire buter à coup sûr. Comment on va se sortir de ce pétrin? Ne me regarde pas, je ne suis qu'une voix dans ta tête. Ah, je vois pas non plus comment je vais pouvoir faire. Si je peux peut-être essayer de désarmer les deux flingues. En choisissant le brouillard. Je veux pas rester perché là toute la nuit. Va falloir penser hors du cadre sur ce coup. Je ne peux pas brouiller une sentinelle active. Je peux pas appeler ma Batmobile. Je vais quand même essayer de réfléchir par moi-même. Qu'est-ce qu'il y a de... Ah ça ouais. Il faut que je trouve une bonne position de tir pour déjouer l'embuscade de la milice. Voilà. Du parking. Mais où est le parking? Exactement. On ferait bien d'aller récupérer notre chèque et de se tirer de cette ville. J'ai hâte, je déteste cet endroit. Il pleut sans arrêt et ça pue en permanence. Ah, juste voir. Parking, c'est bon, je l'ai, il est ici. C'est bon. Merci la Batmobile. Alfred, qu'est-ce qu'on sait sur Simon Stagg? Voyons. PDG de Stagg Enterprise, une société spécialisée en recherche et développement médical de pointe. Je suis en route pour les dirigeables de Stagg. L'épouvantail s'y rendait et c'est la seule piste qu'ont trouvé Barbara. L'analyse des menaces indique que Founders Island est couverte des lance-missiles et des radars longue portée de la milice. La Batmobile sera détectée et prise en cible dès que vous aurez franchi. Ne vous en faites pas, Alfred. Je vais y aller à pied et rester sur les toits. Merci! Enfin une mission à pied! Bonne chance, monsieur. Oh, merci, Batman. Monsieur, le dirigeable de Stagg a été attaché. On le ramène vers nous. Bien. Ouais. Allez-y, trouvez Stagg et interrogez-le. Lieutenant, vous attribuez une unité en plus pour la protection. Qui est-ce qu'on protège? L'épouvantail. Le chef de l'Air. C'est vrai que c'est un peu relou à pied. Il y a beau avoir le grappin. C'est le meilleur Halloween de tous les temps. Et si on allait choper des costumes dans une boutique? Il va absolument falloir dans les améliorations que je me penche là-dessus en premier, que je l'allonge. Parce que...
parce que pour le coup, ouais, c'est super relou, en fait. Chevalier d'Arkham, j'étais à Arkham City et ça me dit que dalle. Et pourtant ça m'a traversé l'esprit. Putain, c'est vrai qu'il y a des drones partout. J'espère ne pas retomber sur une mission, c'était dans Arkham City, je crois, où t'avais des snipers de partout, c'était super. J'espère pas retomber sur un truc du genre. Du dirigeable de Stag a établi une tour de guet munie de tourelles. Stag, c'est pas dans une Infamous que la milice s'appelle les Stag aussi. Le soldat est muni d'un appareil qui peut tracer le système du mode détection. Si je l'utilise trop longtemps, il me localisera et alertera les autres. Donc je peux pas passer en mode détection, c'est ce qu'il est en train de dire. Pourquoi je peux pas utiliser ça? Ah, faut que je bute tout le monde d'abord. L'ennemi. Maintenant je dois désactiver la tour. Hop là! Reste pas en mode détection. J'ai l'explosif. Eh mais te justifie pas DJ, tu fais ce que tu veux, hein, voyons. Bon pour la suite de l'aventure. Je suis près des dirigeables. Qu'avez-vous trouvé? Eh bien, selon les plans d'origine du vaisseau, une trappe de service devrait être accessible sur le dessus de l'appareil. Il semble Dragon Ball Z Kai protège farouchement ses recherches. La sécurité doit être très élevée. Merci, Alfred. Où en est le dispositif de piratage à distance? Je vais bientôt en avoir besoin, Lucius. L'intuition devrait faire partie des prérequis pour ce travail, monsieur Wayne. Je charge le dispositif dans le coffre de Wayne International Plaza. Vous pouvez le récupérer de là-bas. Don't you skip on. Récupérer le dispositif du piratage, blablabla. Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Les démons de minuit. Non, j'ai pas peur de Batman. Je fais ça tournant de Krav Maga. Il me fait plutôt pitié en fait. Krav Maga.
Oh, c'est pas ça que je veux. Je veux pas faire une mission multijoueur, mes couilles. Il manque un accessoire sur ton stream. Ouais. Il y aura pas de sortie chapeau. Enfin, je pourrais le prendre. Juste pour faire la sortie, mais... Non, il fait un peu chaud aujourd'hui. Il fait un peu chaud pour le chapeau. Du coup, voilà, il y a le trou dans le crâne. C'est pas... Je peux rien y faire. Il y a une écoutille de service en haut du dirigeable. Je peux utiliser le dispositif de piratage pour entrer. Je sais pourquoi tu restes en eux. Dispositif de piratage, ok. Ça te laisse le temps de faire le point sur les grandes questions genre est-ce qu'Oracle est morte? Est-ce que c'est ma faute? Qui sera le prochain à mourir? Allez, en avant, on veut des réponses. Moi, je vais directement dessus, en fait. Ouais, j'avais bien compris que c'était le chapeau. De toute façon, il y a le champ entre le chapeau ou la perruque. C'était trop beau. Alors, ok, ça descend là. Oh, le retour des mots de passe. Biochimiste. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus ces trucs. J'ai fini par y croire. Ça y est, je suis dans le dirigeable. Ça vous rappelle pas quelque chose? La dernière fois que j'ai vu un dirigeable, c'était dans The Order. Ça marche. Bien sûr que ça marche. J'ai jamais vu ça. Alors, c'est bon. Un peu de technologie révolutionnaire. Qu'est-ce que ça fait? On en a parlé au prix. Oh, c'est quoi? Commence pas. Don't you skip on. Hey, tu fais quoi? Juste une petite. Don't you skip on. Ces soldats utilisent un drone automatisé. Si j'arrive à pirater la télécommande du garde et à télécharger les codes, je pourrais retourner le drone contre eux. Identifié comme un allié. Bonne idée, ça. C'est qui qui a été connu? Par contre, quand la lumière est rouge, c'est qu'il prend pour cible. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas? Tu cours te mettre à couvert. Centrale embarquée crée un réseau unique et impiratable. C'est le seul dispositif qui peut retransmettre les infos de commande. Si, ils sont que trois. Le maillon faible alors. Moi, j'ai absolument rien de faible. Maintenant que j'ai les codes, je vais pouvoir retourner le drone contre eux. C'est pas un truc à... Ah, c'est bon. Oh, un drone qui explose. Un verrou électronique. Bien joué. Si je trouve le tableau de contrôle, je pourrais le forcer avec le dispositif de piratage à distance. Oh non, pas par là. Salut Saka. Ouais, en repos aujourd'hui. Tout. Sans déconner. Protéines. Ah non, j'ai pas fini le mode histoire du tout. Je sais pas, j'en suis à... Je vais dire ça dans un instant. Non, j'en suis à 30-40. Ils ne sont sûrement pas là par hasard. Barbara est notre... Je sais pas si je le finirai aujourd'hui, mais ouais, il y aura facilement encore pour une dizaine d'heures, je pense. Effectivement, c'est comme ça que je le vois. Non, je le finirai pas aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire encore fin d'après-midi. En soirée également. Peut-être demain.
peut-être demain, sinon mercredi. Peut-être mercredi, ouais. De toute façon, ce qui est plus ou moins sûr, c'est qu'il sera fini cette semaine. Mais ouais, on va en finir et puis après on attaquera. On attaquera Devil May Cry 4 Special Edition et puis on attaquera God of War 3 Ultimate, Remastered, je sais pas quoi. On finit Sex Batou. Plage de stabilité du dirigeable. Je comprends pas ce que je dois faire très exactement. Félicitations Saka, tu as extrêmement bon goût. Je sais pas du tout ce que... Je sais pas du tout ce que je dois faire. Ah, je dois trouver un endroit peut-être où j'ai une meilleure stabilité, c'est ça l'idée? Et qu'ils expliquent mieux aussi, bordel! La trappe d'entretien du niveau inférieur pourrait me permettre d'accéder au reste du dirigeable. Ah! Là, je suis bien là. Truc des fois, putain, c'est super mal expliqué. Oh, elle est où ta putain de trappe? Merci. Because I'm happy. Hey, hey, hey! Non, c'est bon! Arrête ça! Non! Les conteneurs mobiles pourraient m'écraser si j'essayais de modifier la stabilité du dirigeable. Si j'essaie d'ajuster la stabilité du dirigeable, c'est je toi. Risque d'être écrasé. Voilà. Modifier la stabilité du dirigeable d'ici serait trop dangereux. Je risque d'être écrasé. Oups.
Voilà. Je suis enfin pigé. Oh, bonjour Mister. Ça me rappelle beaucoup de choses. Dans l'immédiat, je vais juste essayer de sortir d'ici. Oh ! Bien joué, mon cher Michel Drucker. Mon cher Michel Drucker. Putain, pas facile à dire. Oh ! Ouais, non, je suis d'accord, elle était super chiante cette phase. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il paraît que c'est bien. Don't you scap out. C'est pareil, alors là maintenant que j'ai le truc à code, alors là ça va être mot de passe à toutes les sauces. Élégant. Élément. Ah, cette phase est ultra chère. Oh, qui sont nombreux. Son état, il n'en a plus pour longtemps. Je dois le sauver. C'est pareil, les missions s'enchaînent. Mais tu comprends pas trop les enjeux en fait entre les missions. N'importe quoi. Oh, 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 oh putain, en fait ils sont nombreux. Je crois que j'étais un peu présomptueux sur ce coup-là. J'aurais peut-être dû faire des éliminations juste avant. Non. Là pour le coup, ouais, c'est encore une fois les combats contre 20 à 30 ennemis sont pas rares, contrairement aux autres épisodes. J'aimerais même me débarrasser du gros en premier, mais il y a les autres qui font chier sans arrêt. Oh merde! J'ai pas réussi à neutraliser sa charge! Voilà, je vais mourir à coup sûr quand même, non? Non, je vais mourir. Un peu plus loin, j'ai même arrêté dans cette phase tellement ça me gavait. J'ai déjà assisté à mes propres funérailles une fois. Tu veux dire que t'as arrêté le jeu là-dessus ou t'as fait une pause en fait? Non, c'est vrai, je me fais chier dans ce jeu et c'est... Ça me rend malade parce que je l'attendais. Je l'attendais et j'avais confiance en Rocksteady qui a quand même fait de super jeux juste avant quand même, faut dire ce qui est. Et ça me gave, ça me saoule. Ça me saoule de voir que c'est de la paresse ce jeu. Vraiment c'est de la paresse. Ces soldats tiennent Stagg. Et vu son état, il n'en a plus pour longtemps. Non, par contre je vais peut-être la jouer... Ouais, bah t'as eu raison là, pour la pause. Je vais essayer de finir cette mission, puis je pense aussi que je vais faire une pause, mais alors pour le coup... Définitif. Non, pas sur le jeu. Hein. Donc. Je ne peux pas encore faire ça. Nos équipes fouillent ce bâtiment de fond en comble. Et ce sera leur plus. En fait, il n'y a personne d'armée, quoi. Rectification, Isekai à toi. Bientôt, ils seront à l'épouvantail. Il est où le tout gros, là? En fait, c'est le gros qu'il faut que je bute en premier. Si possible. Ah, il n'y en a aucun armé en fait.
Oh, tant pis, je vais retenter comme ça, on verra bien. Ça passe ou ça casse. Oh, ta gueule, toi! Allez, c'est bon, je crois que j'ai le gros, là. Non, mais c'est chaud, comme, de faire une pause sur un jeu en disant « Sinon, il va m'énerver, c'est pas possible, il est trop chiant. » Moi, je trouve ça, comme, super dommage. Ah merde, je me suis encore fait avoir comme un bleu. Ça y est. Putain. Dieu merci, vous êtes là. Il faut que j'aille délivrer le boulet. Êtes-vous sûr? Merci. Simon Stark. Ils allaient me faire la peau. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vous qui ont juste... Ceci, t'as quand même trouvé la force de le finir, Saka. Récupérer ces cylindres. Félicitations. Les générateurs Nimbus. Une cellule énergétique entièrement propre sur laquelle on travaille. Où est les Protailles? Dans ton cul. Sur le deuxième dirigeable. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec lui? Vous pensez à Barbara Gordon? On sait tous les deux qu'elle est sur... Putain, il est partout, lui! Sinon, c'est une blague, ce Joker. Niveau supérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Contre les couteaux, faut que... Il n'y a pas une amélioration contre les couteaux. Oh, tant pis, je vais prendre contre les coups de feu alors. Oh non! Sérieux? Retour à la vie. Oh, je t'ai frappé le Joker au passage, tiens. C'est une bonne scène, what the fuck. Je crois que Batman est bourré. Ah d'accord, je pensais que t'avais fini le jeu, toi. Ah, la phase du dirigeable est vraiment une purge, hein, faut dire ce qui est. Je pense que je vais faire une pause exactement au même endroit que toi. Hey, salut Eagle! 1983. Donc le chevalier, c'est... C'est Alfred! Non, je sais pas... Ah non, je sais même pas en plus qu'il y avait un enjeu. Ces points d'accès réagissent à la voix de Stag et à aucune autre. Je pensais pas qu'il y avait un enjeu de savoir qui était le chevalier en plus. Presque. 90% de l'histoire. Et pour tes 90% de l'histoire, t'as mis combien de temps de jeu? Grosso merdo, hein. Viteuf.
12 heures. Ouais. Ça va, gentiment, quoi. Bon. J'aimerais sortir de ce putain de dirigeable, j'en peux plus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nouveau message de 123devie.com. Sérieux. Oh! Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi, sans déconner? Ah mais oui, c'est obvious, je vais partir par là. Je veux juste sortir du dirigeable. Là, j'en ai ma claque, en fait. Je crois que je sature vraiment sur le jeu. Déjà. Est-ce que t'as aimé, toi, Eagle? J'ai l'impression d'être un extraterrestre, en fait. Stag est avec l'épouvantail sur le deuxième dirigeable. Ah, il y en a un deuxième, en plus. Analyse des plans, et il semble être défendu par des tourelles automatiques. Il y a ah, parce qu'en plus, il y a un truc de 100% avec le F1. Situé à l'arrière du vaisseau où vous vous trouvez. De là, vous devriez pouvoir désactiver les tourelles. Ah ouais, carrément. Ouais, la partie du dirigeable est une vraie purge, mais je comprends pas. Je comprends pas, en fait, le... Parce que dans l'ensemble, c'est pas un jeu pourri. Mais je comprends pas les articles de la presse qui sont dithyrambiques, alors que souvent, ils sont prompts à massacrer des... Enfin, on se souvient de Demon's Souls, à l'époque, c'était fait massacrer par la presse. Avant qu'ils se rendent compte, en fait, que c'était un super jeu et que... Il était complètement plébiscité par les... Mais là, sans déconner. Comment il peut y avoir une unanimité un peu débile, j'ai envie de dire. Ah, mais les quêtes secondaires, je te rassure, je compte pas les faire. Oh. Déjà que la quête principale me casse les couilles, mais hors d'une force. Alors la quête secondaire... Bon! Ça me casse les couilles. Je m'amuse pas là, je m'amuse même pas, j'ai pas envie de chercher, j'ai juste envie d'aller à la suite de l'histoire, tu vois. Je ne m'amuse pas. Et c'est ça en fait le plus terrible sur ce Batman. Cette habitude d'y arriver, on s'en fout, vas-y, je veux. Je joue juste pour m'amuser, pas pour faire tes trucs à la con. Ah, il va pas me lâcher hein, jusqu'au bout. Non, c'est pas ça que je... Ta gueule avec ton inclinaison. Amen. Oups. C'est quoi le problème encore? Ah, c'est pas là que je voulais aller. Sans déconner, je peux pas juste utiliser la tyrolienne. Putain, lâche-moi.
Ah, tu peux pas brouiller en plus cette tourelle de merde. Non, non, faut désactiver les deux tourelles en face sur ton dirigeable. Bah ouais, je veux bien les désactiver, mais je fais comment? Ah, faut que j'ai... Je les désactive sur le premier dirigeable pour le deuxième, c'est une blague! C'est quoi, sans déconner, ce jeu de merde? Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Ça me pète les couilles. Sans déconner, ça me pète les couilles. C'est le pire Batman de tous, mais de très loin. De très loin. Je suis désolé, mon Grazl. Mais vraiment, c'est une purge absolue, ce jeu. Jeu de tête, c'est en haut. Ouais, bah, j'imagine. De toute façon, j'ai pas des tonnes de possibilités. Je vois bien que la flèche me dirige vers le haut, mais... l'anti-jeu, c'est pas marrant, c'est pas fun ce qu'ils ont fait, c'est juste pas fun. C'est juste pas fun du tout, quoi. On se fait chier à mort sur ce Batman. Il y a les phases d'action qui sont cool, mais le problème c'est que les phases d'action sont tellement polluées par toutes ces phases de merde qui ne servent à rien du tout. Ah, quelle déception ce jeu. C'est ma déception de l'année. Puis une maniabilité en plus plus qu'approximative, faut dire ce qui est. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon là sérieux, ça commence vraiment à me péter les couilles. Ah, je vois même pas l'intérêt en fait de faire ça. J'ai bien compris qu'il fallait que je détruise les tourelles. Ça, j'ai bien compris. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oh putain, cette façon de te dire ouais, cool, le jeu, il a une durée de vie de 15 heures. Mais oui, mais putain, dans tes 15 heures, c'est... Il y a 10 heures de purge. Nickel. Merci. Non, mais... alors, j'ai vu la grille, là, en haut. Mais c'est justement à la grille que j'essaie d'accéder. Non, mais sérieux, quoi. Sérieux, ce jeu. Peut-être tromper de gris en fait, ouais.
Oh, je m'en fous de tes plaques de mystère, je m'en bats les couilles de le mystère. Alors, je suis pas du tout au bon endroit. Je la vois la grille là, c'est juste que pas moyen d'y accéder. Oh non, 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 non! Elle est devenue ton point faible, ton obsession. Elle te fait sombrer de plus en plus vers les abysses. Je pourrais ordonner son exécution tout de suite. Ce serait cruel, sadique. Ah d'accord, il va falloir traverser toute cette merde. En fait, sinon, ce serait pas juste plus simple de monter dessus. Tu peux pas monter sur les caisses sans déconner, Batman! Je devrais m'éloigner des containers avant de faire basculer le dirigeable. C'est un truc le mystère, putain, le truc, aucun intérêt quoi. Non, sans déconner, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc de merde? Je devrais m'éloigner des containers avant de... Oh, ferme ta gueule! Je devrais m'éloigner des... Ferme ta gueule! Basculer le dirigeable. Je devrais m'éloigner des containers avant de faire basculer le dirigeable. Ah c'est bon, tu peux le faire parce qu'il est en dirigeable. Sauf qu'il n'y a aucun intérêt, je peux pas ressortir là.
Pourquoi il avance plus là? Il avance plus. En plus, le jeu est buggé de partout, sans déconner. C'est ici qu'on va arrêter le stream pour aujourd'hui. Après 4 heures de stream, 4 heures de stream sur ce Batman Arkham Knight, où je vous cache pas que mon sentiment. Merci Swasti. Merci de rejoindre le stream. Malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. 4 heures de stream déjà. Je vous cache pas, pour faire une espèce de petit bilan, que voilà, les heures ont beau passer, je suis à, je crois, 35-40% de l'aventure, j'accroche toujours pas à ce Batman, je le trouve mauvais, je le trouve raté sur tous les plans. C'est raté au niveau de la Batmobile, c'est raté au niveau du rythme. Jusqu'à présent, je me fais chier dans le jeu. Il y a eu 2-3 passages cool, mais tout le reste, c'est une purge, c'est vraiment une purge. Et du coup, je saisis vraiment très très mal tous les commentaires positifs. Extreme en live, merci pour ton follow, l'ami. Du coup, comme on fait bien les choses ici, tu es remercié en personne par mon père, à savoir Jean-Pierre Foucault. Ouais, il a eu un fils qui s'appelle H. Tu es remercié également par ma mère, qui s'appelle Stoya, qui a une façon de préparer et de manger la chantilly qui ne regarde qu'elle. Et tu es remercié également, alors tu prendras comme tu veux, par mon grand-père. Par l'ami François. Non, merci beaucoup pour ton follow, j'apprécie énormément. J'apprécie énormément qu'il y ait toujours des gens qui décident de s'abonner sur cette chaîne malgré les fails monstrueux que je fais. Donc voilà, vous l'aurez compris, un avis sur Batman très 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 en demi-teinte. Vraiment, j'ai du mal à accrocher. Je suis en train de me forcer pour le finir, et quand je me force sur un jeu, généralement c'est pas très bon. Donc voilà, on se retrouvera de toute façon demain matin, comme tous les jours, à partir de 9h, pour un nouveau stream qui durera probablement jusqu'à 14h. Demain, donc voilà, encore au moins 4 heures ensemble, facile de stream. Erod01, merci à toi aussi pour ton follow, du coup, voilà. Ouais, tout ça pour voir du Stoya. De nouveau, encore un coup de Stoya, pour te remercier. Maman et sa crème fraîche. Tiens, allez, soyons fous, tu as droit aussi, toi, du Julien. Non, Julien, il est là. Julien, viens ici, viens remercier pour le follow. Je disais donc, oui, ce sera pas sûr que ce soit sur Batman demain, mais je pense quand même que je vais essayer de me faire violence et de le continuer malgré tout. Mais il y aura également, donc, il nous attend toujours en stream, il y aura Devil May Cry 4 Special Edition. Pareil, on continuera là où on s'est arrêté. Et voilà, grosso modo. C'est tout pour le moment, comme dirait la voix. C'est le moment généralement. Et Rod, non, merci, Julien Cher. Oui, il est très très aimé de par ici, le Julien, et il faut dire ce qui est. C'est le moment toujours en fin de stream, j'adore pouvoir échanger quelques instants. Non, je sais pas. Et, du coup, je suis en train vraiment de m'inquiéter. Est-ce que c'est moi qui ai mauvais goût, ou qui accroche pas pour une raison ou pour une autre avec le jeu, ou est-ce que vous avez le même ressenti pour ceux qui posséderaient le jeu? Mais en même temps, j'imagine que si vous êtes sur le stream, c'est que forcément vous l'avez, ou sinon vous êtes en train de vous spoiler à mort, et là-dessus, je suis désolé. Non, voilà, j'ai vraiment... J'ai un arrière-goût qui me reste dans la bouche.